want to bring in Hubert Vedrine, the former foreign minister, here for a second and ask him not also about the view from Paris, but about some of the lessons that we as Europeans have learned since February 24th. What are some of the major lessons, some of the major points that you would observe and see? Alors, d'abord, dans la table ronde, on est censé... 4.6, now. We're just taking them. Really? Yeah. J'attends que... Dans cette table ronde, on est censé réfléchir sur le futur. Or, c'est difficile de penser l'après-guerre parce qu'il n'y a pas de solution à cette guerre. Le plus probable, c'est l'enlisement. Et moi, je ne crois pas du tout à court terme à des négociations, encore moins une solution. Donc, ce n'est pas de l'après-guerre, c'est réfléchir à la situation avec une guerre non résolue, un enlisement. Ça c'est le premier point. D'autre part, la décision aberrante de Poutine nous ramène au début de la guerre froide, à mon avis. La première période de la guerre froide qui a duré très longtemps, avant les débuts des négociations. Parce que l'Occident, à l'époque, était réaliste, était capable de négocier en défendant ses intérêts. D'ailleurs, à la fin, c'est l'Occident qui a gagné. Et on n'est même pas dans la phase des accords Soult, Start, etc. On est avant, on est au tout début. Donc il faut réétudier les années 50, à mon avis, pour comprendre une situation tout à fait durable. Ensuite, l'avenir de l'Europe, c'est l'avenir de l'OTAN, en fait. Parce que la conséquence immédiate de l'attaque de Poutine, c'est que l'OTAN, à la demande de tout le monde, réabsorbe l'ensemble du sujet européen, pour le moment, en matière de défense. Et il me semble que, pour un certain temps, il n'y a plus aucune base politique pour les idées, entre guillemets, à la française, ou les idées européennes sur une certaine autonomie de l'Europe par rapport à ça, en matière de défense. En revanche, là où l'Europe a un boulevard devant elle, à mon avis, c'est sur la question de la réduction des dépendances excessives, parce qu'on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec le gaz russe, etc., on le voit avec les céréales, et donc là, il y a un boulevard en matière technologique, en matière de reconstruction d'une relative autonomie européenne. Mais ce n'est pas la défense, ce n'est pas la sécurité. Donc comme la période qui s'ouvre, ça se passe à l'intérieur de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique, sans oublier que pour les États-Unis, le problème numéro un demeure la Chine, même si les Européens ont du mal à intégrer cette notion. Il suffit de regarder ce que dit de temps en temps Biden ou Blinken, ou le chef d'état-major Milley, et ce qu'ils disent n'est pas très différent de ce que dit Macron, en fait. Et de temps en temps, Scholz, ça dépend, vous voyez. Donc en tout cas, là, il faut oublier pour tous les gens qui sont là, des décennies de discours sur la défense européenne, elle est assurée par l'OTAN, comme à l'origine, quand les Européens avaient demandé que ce soit les États-Unis qui les protègent, en dépit des progrès, en dépit des efforts, en dépit des procédures, etc. etc. C'est comme ça que je vois la période qui vient. Jusqu'au moment où les Européens, même les Polonais, vont se dire que ce n'est peut-être pas prudent de penser que les États-Unis sont protégés à perpétuité. Donc il faut quand même rebâtir quelque chose nous-mêmes. Mais on n'en est pas là. On n'est pas dans cette phase parce que l'urgence du moment, c'est de bloquer Poutine et qu'il ne puisse pas gagner. Mais je reviens à ce que j'ai dit avant, donc enlisement. Voilà, donc je pense qu'il y a une grande ouverture, mais pas défense. Je change un peu de sujet. Technologie, tous les domaines de dépendance excessive. Par ailleurs, sur la période, je le dis souvent, je pense qu'il faut réfléchir sur la politique occidentale menée depuis la fin de l'URSS, donc sur 30 ans, et pas uniquement sur les derniers mois, ni les dernières années. Et je pense que cette analyse n'est pas faite, que tous ceux qui tentent de le faire en Occident sont considérés comme étant indulgents par rapport à Poutine, ce qui n'est pas le cas. Personne que je connais n'est indulgent par rapport à Poutine. Mais un Occident qui ne serait pas capable d'évaluer les politiques menées, par exemple dans les années 90, c'est un Occident qui m'inquiète. Il faut faire ce que les militaires appellent le retour d'expérience. Il y a eu plusieurs politiques depuis le début des années 90
Il ne faut pas mélanger Yeltsin, Poutine 1, Poutine 2, Medvedev, etc. etc. Je ne vais pas au-delà parce que tout le monde comprend, mais dans les débats en Europe, c'est des débats impossibles à mener. Il faut donc se référer à ce que disent les Américains, qui sont souvent très vieux, qui sont des vétérans de la guerre froide, qui ont combattu toute leur vie, mais qui sont capables de faire cette analyse pour réintroduire dans le débat pour l'avenir. Il faut analyser ce que l'Occident a fait par rapport à la Russie, par rapport à la Chine, par rapport au Moyen-Orient, etc. Moi, je suis sur cette ligne, tout en disant à chaque fois que ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Quant à l'avenir, je redis et je termine, il me semble qu'il y a une certaine correspondance entre ce que Macron dit de temps en temps. Alors, je ne dis pas que je défends toutes les déclarations, il y en a qui le feraient mieux de ne pas faire maintenant, en attendant la suite. Donc, Macron ou Scholz, et ce que pense la Maison-Blanche, il me semble. Thank you so much. Obviously, the French-German axis here is extremely important in guaranteeing the unified front. Zach.